Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir Pierre. On est très heureux de vous recevoir ce soir pour parler de votre nouveau livre, donc Puissance et décadence. Alors c'est un livre qui reprend un certain nombre de textes parus dans votre revue Front Populaire. Alors textes qui sont souvent liés à des sujets d'actualité, on peut dire, que peuvent être l'écologie, la souveraineté, les médias. Mais c'est des textes d'actualité sur lesquels vous donnez, comme toujours évidemment avec vous, des soubassements philosophiques. Et justement, c'est là que se noue l'articulation, on va dire, entre la puissance et la décadence. La puissance, on va dire, de la généalogie nietzschéenne que vous pouvez faire justement de ces sujets-là, et contre une forme de négativité, de nihilisme, enfin on verra comment la nommer ce soir. Et justement, vous essayez de comprendre d'où sort l'époque que nous vivons, aussi bien d'un point de vue intellectuel et politique, mais aussi cette généalogie, c'est probablement la vôtre, parce que dans ce livre, vous mettez au jour un certain nombre de notions, de penseurs, de moments historiques dont vous vous revendiquez et qui servent aussi à déterminer votre identité et qui définissent, et je pense qu'on y reviendra aussi, probablement ce que serait une politique de Michel Onfray, politique au sens philosophique, peut-être pas seulement. Alors, justement, dans ces généalogies positives, parce que c'est un livre qui à la fois pose un certain nombre de diagnostics, souvent assez critiques par rapport à l'état de la France, à l'état du monde dans lequel nous vivons, mais dans lequel vous essayez aussi de comprendre des choses plus positives. Et il y a un chapitre assez frappant et même, je trouve, assez touchant autour de ce que vous appelez la ligne philosophique claire de la philosophie française. Et vous essayez de retracer une généalogie, mais on sent que c'est aussi celle de vos goûts, par rapport à cette philosophie. Est-ce que, pour vous, il y a une sorte d'esprit français de la philosophie ? D'abord, Pierre, merci, parce que j'ai toujours plaisir d'abord à être chez mon ami Denis Mollard, mais ensuite d'être plaisir à être interviewé par vous. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez vraiment lu, c'est toujours un vrai bonheur. Et vous avez raison de mettre le doigt sur ce moment de mon livre, qui est autobiographique, mais bon, en bon nietzschéen que j'essaie d'être, j'ai toujours dit que toute philosophie était autobiographique. Et je me souviens d'avoir connu en son temps une directrice de Vogue qui était américaine et qui avait fait un portrait de moi, enfin qui avait commandé un portrait de moi, et qui m'avait dit, avec son accent américain inimitable, que j'étais vraiment un philosophe très français. Et je ne savais pas si chez elle c'était un compliment ou pas. Je crois que ce n'était pas un compliment. Et c'en était un, évidemment, pour moi. Et je pense qu'effectivement, on a une vraie tradition dans la philosophie française. D'abord, notre grand Montaigne, qui est le prince des philosophes. C'est celui avec lequel la philosophie occidentale est rendue possible. Je pense qu'il y a une thèse à faire là-dessus. Moi, j'ai passé l'âge de faire des thèses. D'abord, j'en ai fait une, et puis je n'ai pas très envie de ce genre d'exercice. Mais il y a vraiment quelqu'un qui se mettrait à ça en disant Montaigne rend possible Descartes, qui rend possible Malebranche, qui rend possible l'occasionnalisme, qui rend possible Spinoza, donc le spinozisme, donc la pensée matérialiste qui elle-même rend possible le socialisme du 19e. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire, on enlève Montaigne, il n'y a plus rien. Et de Montaigne jusqu'à Sartre non compris, et à nouveau à partir des nouveaux philosophes, je dirais, dans les années 70, 77, je crois, la barbarie à visage humain de Bernard-Henri Lévy, il y a une tradition de la ligne claire en philosophie. D'abord, quand on écoute Debussy, Ravel ou Fauré, on entend la ligne claire. Quand on écoute même aujourd'hui des Pascal Dussapin, des Éric Tanguy, voire un peu en amont du Tilleul, et pourquoi pas un certain Boulez. Je pense que quand Boulez n'était pas obsédé par le sérialisme allemand et qu'il faisait des pièces comme Rituel, Message esquisse, il y avait quelque chose de français. Et je pense que en philosophie, ça existait, sauf cette parenthèse très allemande avec la phénoménologie, l'heideggerianisme, le structuralisme, où les philosophes français donnent l'impression que, pensent que si on donne l'impression d'être traduit de l'allemand, c'est qu'on est très profond. Et donc, il faut une pensée absolument obscure, ce qu'on appelle des glossolalies en matière de maladies mentales, c'est-à-dire des gens qui inventent des langages. Ils sont seuls à comprendre leur langage. Et voilà, il y a des moments où, moi, ça va, j'ai passé l'âge, je peux dire qu'il y a des textes de Deleuze qui veulent rien dire. Je les ai lus 3 fois, 10 fois, par exemple, qu'est-ce que le structuralisme de Deleuze ? Deleuze, il nous dit, je vais vous expliquer ce qu'est le structuralisme. Et on a lu 20 pages, et c'est encore plus compliqué qu'avant. On se dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et donc, je me suis dit, s'il faut célébrer la France, ce que j'aime faire,
sa musique, sa peinture, sa littérature, sa langue, ses paysages, sa tradition, ses auteurs, etc. etc. Y a-t-il une façon française de philosopher? Et je dis oui, une façon française, qui est donc la ligne claire, comme on dit avec la bande dessinée, c'est-à-dire Tintin, quoi, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire un trait simple, une couleur en aplat, et on ne fait pas de choses compliquées. C'est, la chose est franchement dite. Et d'abord, c'est cette langue qui rend possible la philosophie française, espèce de langue douée pour la psychologie. On n'a pas produit par hasard les moralistes français, sur La Bruyère, La Rochefoucauld, pour le XVIIe siècle, le grand siècle, mais Vauvenargues, Chamfort, etc., qui sont des gens qui, avec une économie de langage, sont capables de dire des choses définitives. Et je me suis dit, eh ben oui, dans la philosophie française, il y a cette lisibilité, cette liaison entre la philosophie et le caractère littéraire de la pensée, l'expression littéraire de la pensée. On ne s'interdit pas des belles phrases, des belles expressions, des formules, des images, des allégories, des métaphores. On peut avoir une belle langue dans la philosophie française. Donc ligne claire, tendance à la psychologie, tendance on pense à la première personne aussi, je dirais à la confession. Alors pour Montaigne, c'est évident, il nous raconte ses pannes sexuelles, il nous raconte sa chute de cheval, il nous raconte qu'il aime le vin blanc, les huîtres, etc., enfin, le vin clairé. Les huîtres, etc. Enfin, il y a plein de choses. Son père, le rôle de son père, l'éducation, la musique quand on le réveille, etc. C'est foisonnant d'autobiographie. Et en même temps, c'est universel. Descartes, c'est la même chose. Il dit, oh là là, moi, j'ai besoin le matin de traîner au lit. Je remets la couverture jusque sous mes narines et je pense, je médite, je réfléchis. Et finalement, j'étais comme ça au collège de la Flèche. J'avais besoin le matin de dormir ceci, de dormir. Donc, il y a des expériences. Il dit, je regarde dans la rue, je vois des gens passer. Et je ne suis pas très sûr que sous ses chapeaux et sous ses vêtements, il n'y ait pas d'espèce de ressort, de mécanique. Enfin, il pense le réel, il raconte ce qu'il voit. Et puis voilà. Et puis on peut faire ça comme ça jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans la littérature, dans l'autobiographie, qui parlent d'eux, y compris dans chez Jean Kelevitch, par exemple, dont les réflexions morales, éthiques, sur la question du pardon, sont des réflexions personnelles, même s'il ne dit pas forcément de quoi tout ça procède. Mais on sent que ce juif persécuté, qui était génial, qu'il est toujours d'ailleurs, mais qui en même temps voit le train de la célébrité lui passer sous le nez pendant qu'un Sartre fait une théorie de l'engagement, alors que finalement Sartre était copain avec les Allemands pendant la guerre, il place Simone de Beauvoir dans une radio collaborationniste, etc. On voit bien une espèce de trame biographique, personnelle, autobiographique, et je me dis, bah oui, c'est quand même assez français ça, c'est une façon de procéder. Et donc je revendique un peu ça en disant. Probablement à mon corps défendant, mais on n'est pas par hasard un produit de 1000 ans d'enracinement français. Il y a chez moi une façon française de philosopher et de penser. Alors pour tous les gens qui pensent que plus on est incompréhensible, plus on est un philosophe profond, plus on est lu par trois personnes, plus on est un génie de son siècle, plus ceci, plus cela, évidemment cette façon d'être lisible, clair, dans la psychologie, dans la narration, dans la littérature, dans la psychologie, tout ça donne l'impression que bon, c'est fait pour les autres, mais sûrement pas pour la philosophie. Je les laisse penser une chose pareille, mais je crois que les vrais grands philosophes qui durent, là je parle pas de moi, hein, parce que plus personne ne dure au 21e siècle, mais sont des gens qui ont su parler à tout le monde. Moi j'ai parfois des chauffeurs de taxi qui me parlent de Camus, qui lisent, par exemple. Je ne pense pas que les chauffeurs de taxi lisent La Critique de la raison dialectique de Sartre. Et je ne pense pas d'ailleurs que les agrégés de philo ne le lisent non plus. Oui, puis vous vous rappelez qu'effectivement, Bergson est le prix Nobel de littérature. Oui. Et justement, alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette ligne claire que vous évoquez aussi, et ça s'articule aussi dans le rapport justement avec la philosophie allemande, un courant, pour le coup, qui est un courant politique, qui est celui du socialisme français, qui est souvent un courant pas connu, dans lequel il y a le Roux, dans lequel il y a un certain nombre d'auteurs, et qui justement sont un courant qui est un courant finalement anti-autoritaire, et qui, eux, refusent aussi, on va dire, la dimension marxiste avec ce qu'elle comporte. Alors, je pense qu'il faut que vous l'explicitiez, ce que je l'ai évoqué en introduction, mais ce que vous appelez la négativité issue de Hegel, à savoir que pour Hegel, dans le mouvement de l'histoire, il y a toujours un moment négatif pour arriver à la chose que l'on souhaite, et que c'est comme si c'était une évidence dans la logique historique. Et que cette acceptation de la négativité, elle va produire quand même des catastrophes, hein, alors qu'il n'y a pas cette dimension-là dans le socialisme français du 19e. Oui, absolument. Ça aussi, c'est un autre sujet de thèse. Mais pourquoi la France est-elle trouvée fascinée par l'Allemagne comme ça? Je suis très étonné que Marx
fasse la loi à gauche, on peut être anti. Enfin, moi j'ai toujours été anti-marxiste, j'ai jamais été communiste ni tenté par le communisme. Je suis pas un repenti du communisme sous toutes ses formes. J'ai jamais été maoïste, trotskiste, jamais, mais j'ai toujours été proudhonien. Et toujours été à 17 ans, j'achète Qu'est-ce que la propriété chez mon libraire sur le marché d'Argentan, et je tombe sur cette pensée. Je me dis d'abord, elle est très lisible, encore Linclair. Et ensuite, elle est très anti-marxiste. Marx estime que c'est la violence qui accouche l'histoire, qu'elle est l'accoucheuse, la grande accoucheuse de l'histoire. Et vous avez raison de parler du rôle de la négativité, parce que j'avais encore un copain qui m'a envoyé un texto tout à l'heure et qui me disait, mais enfin, pourquoi, mais est-ce que tu sais si Gide a lu Sartre, enfin, si Sartre a lu Gide, et pourquoi, après avoir écrit normalement Le Retour d'Urs, plus personne n'aurait dû être un défenseur de l'Union soviétique, quoi. Il me dit, comment t'expliques ça? Et je lui dis, mais c'est la négativité chez Hegel. C'est-à-dire, Hegel dit, tout est dialectique. Et donc, alors on a appris ça à l'école, les fameuses thèses, antithèses, synthèses. Mon vieux maître Gerfagnon disait thèse, antithèse, foutaise, mais il n'avait pas complètement tort. Mais il y a donc ce moment de l'affirmation, puis un moment de la négation, et puis quand on a la négation, on obtient un mouvement de synthèse qui permet d'aller plus loin. C'est la théorie de Hegel. Hegel est une espèce d'obsédé de la triade. Il voulait absolument tout ranger dans des casiers. Il fallait absolument que... Bon, voilà. Donc il y a un moment de destruction. Affirmation, destruction, affirmation supérieure. Et c'était très simple. Tous ces gens-là étaient hegeliens. D'abord, il y avait c'est toujours compliqué à comprendre Hegel. C'est pas si simple que ça. Les textes sur la philosophie de l'histoire, la raison dans l'histoire, philosophie de l'histoire, tout ça, c'est assez facile à lire. Les textes esthétiques sur la religion, tout ça, c'est assez facile à lire. Mais dès qu'on commence la phénoménologie de l'esprit ou la logique, par exemple, sont pas des textes simples, y compris en allemand. Je suis pas germaniste, je vais pas faire le malin, mais je veux dire que ça reste quand même faussement compliqué. C'est que je disais à mes élèves, si vous avez compris que quand vous voyez l'esprit, l'absolu, la raison chez Hegel, et que ça vous résiste, parce que vous vous demandez comment l'esprit peut s'incarner dans l'histoire, par exemple, comprenez que ce sont les noms différents de la Providence. C'est-à-dire, c'est l'autre nom de Dieu. Et à chaque fois que vous avez la raison chez Hegel, si vous pensez que c'est Dieu, l'idée, c'est Dieu, le concept, c'est Dieu, etc., alors tout devient extrêmement limpide. Enfin, je vais faire la parenthèse sur Hegel, sur l'aspect faussement compliqué, mais il y a cette idée que la négativité est nécessaire pour que l'histoire puisse s'accomplir. Alors, la négativité, c'est un moment dialectique, donc de la philosophie, mais concrètement, ça donne quoi? Ben, ça donne le goulag, ça donne les barbelés, ça donne les camps de déportation, ça donne la Tchéka, la police politique militaire, la GPU, ce genre de choses. Ah oui, c'est un moment de négativité, mais c'est pour parvenir au communisme. Donc, c'est pas terrible tout de suite, mais demain, ce sera vraiment très bien. Et cette conception du moment négatif nécessaire pour parvenir à une positivité, ça produit toujours, hélas, des effets. Du genre, tous les gens qui défendent l'Europe de Maastricht, bon, ça fait 30 ans qu'ils l'ont, leur Europe de Maastricht, ils devraient dire... Ah, c'est vrai que c'est peut-être pas terrible qu'on avait dit plus de chômage, plus de misère, plus de pauvreté, plus d'antisémitisme, plus de racisme, l'amitié entre les peuples, plus de guerre, etc. Et on dit 30 ans après, bon, alors... Vous avez été vous avez les pleins pouvoirs. Vous avez défendu un projet de société à l'époque, et ce projet de société, il a 30 ans derrière. Et pourriez-vous dire que c'est pas terrible quand même? Et ces gens-là, toujours avec le schéma hegelien, disent « Ah, mais si ça va pas très bien, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe maastrichtienne. » Et c'était la même chose avec les gens à qui on disait « Enfin, il y a quand même le goulag, quoi, quand même, en Union soviétique. » Ils disent « Ah, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de marxisme. » Sous-entendu, c'est parce qu'il n'y a pas encore assez de négativité. S'il y avait plus de négativité, on parviendrait beaucoup plus vite à la positivité. Et il y a un moment donné où il faut arrêter de faire de la dialectique, quoi. Il y a une petite histoire, et moi je crois à la grandeur des petites histoires. Et Marx a rencontré Proudhon à Paris. Et il explique à Proudhon Hegel. Et ça marche pas. Et il dit, mais il a rien compris à Proudhon, c'est un pauvre type. D'ailleurs, c'est un tonnelier, c'est un ouvrier, c'est un paysan. Enfin, il y a ce profond mépris qu'a Marx pour le fils de pauvre, pauvre lui-même, travailleur, quoi. Marx était un fils de bourgeois, père avocat. Il a rien fait de sa vie, il a jamais bossé. Il a mis Engels au boulot. Lui, il était propriétaire d'une manufacture et Engels donnait de l'argent pour que Marx puisse continuer à bosser tranquillement. Et puis pendant qu'il engrossait sa domestique, eh bien, c'était Engels qui disait « Oh, c'est moi, pardonnez-moi, c'est moi qui lui ai fait un enfant, etc. » Donc, grande vie bourgeoise de type entretenu chez Marx, alors qu'il y a chez Proudhon quelqu'un
qui a su ce que c'était que garder les vaches quand il était enfant, être tonnelier, faire lui-même une entreprise qui a d'ailleurs fait faillite, être correcteur dans les imprimeries. Enfin, quelqu'un qui savait ce qu'était le travail. C'est pas quelqu'un qui théorisait à partir du travail. Il dit, moi, je sais ce que c'est et comment ça marche. Mais le problème, c'est pas que Proudhon n'a pas compris parce qu'il était d'un esprit limité. C'est qu'il comprenait pas où on pouvait en venir avec ce genre d'argutie, quoi. Ça sert à rien, ce genre de truc. Et donc... il y a effectivement un socialisme français très intéressant. Vous avez parlé de Leroux, mais même les gens qui à Paris connaissent les stations de métro savent que il y a Raspail. Enfin, il y a des gens qui ont donné leur nom à des boulevards. Et il y a toute une philosophie politique française avec 1830, 1848, la Commune 71, etc. De gens qui ont joué un rôle important. Elle a mené, par exemple, un socialisme chrétien très très intéressant. C'est très intéressant l'amener. Et ces gens-là, on n'en parle pas, parce que Marx, un jour, a dit « Il y a le socialisme scientifique, moi, et les autres, c'est des socialistes utopiques. » On dit ben, « Faites-en la démonstration, quoi. » Alors, quand il s'agit de Fourier, évidemment, Fourier dit qu'un jour, quand la révolution aura lieu, les planètes copuleront et qu'elles engendreront, et que la mer se transformera en vaste étendue de limonade, qu'on arrêtera la guerre un jour et qu'on se fera la guerre avec des bouchons de champagne, enfin qu'on fera péter le champagne et que les bouchons, etc. On fera des petits pâtés qu'on goûtera. Et que... Bon, celui-là, il peut être un peu utopiste. Mais l'espèce de puissance de Marx qui dit « il y a moi et les autres ». Et moi, je suis dans la science, les autres, ils sont dans l'utopie. Tout ça fait qu'on a laissé de côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez Marx en Pléiade, vous avez Marx en livre de poche, vous avez Marx au programme du bac en terminale, vous avez, enfin, tout le monde connaît plus ou moins Marx. Dans toute bibliothèque bourgeoise, il y a toujours au moins le manifeste du Parti communiste, etc. Cherchez Proudhon. Proudhon n'est pas en Pléiade. L'œuvre complète de Proudhon est introuvable. Il faut que vous alliez chercher les volumes de Marcel Rivière un peu partout, des bouquins que vous achetez 50 euros le volume et il y en a une quinzaine. C'est-à-dire l'accès à l'œuvre de Proudhon, je ne vais pas dire qu'il est interdit, mais enfin, il est compliqué. Avec l'achat des livres d'occasion sur le net, on peut aujourd'hui acheter du Proudhon, mais c'est compliqué. Donc, il y a cette façon très anti-française de dire, bon, c'est pas du socialisme, laissons ces gens-là de côté. Or, la négativité chez Marx, l'éloge de la violence chez Marx, ça fabrique du jacobin au 19e siècle. Le jacobin de 93 produit ses effets. Et ça produit des effets jusqu'à Sandrine Rousseau et Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que cette façon jacobine d'être de gauche, marxiste d'être de gauche, suppose qu'il faut de la violence, il faut des têtes qui tombent, il faut la guillotine, il faut des tribunaux révolutionnaires. Vous voyez aujourd'hui comment on dit ce garçon, il a quitté sa copine, c'est pas terrible ce qu'il a fait, etc. Et d'un seul coup, on lui coupe la tête médiatiquement, publiquement, alors qu'il a fait ce que tout le monde fait quand on se sépare. C'est jamais terrible quand on se sépare et on a toujours des raisons d'être mécontent de la séparation. C'est pas, je défends pas le personnage, je sais pas ce qui a eu lieu. Je dis simplement que sur le principe, cette façon de faire est très jacobine, très marxiste, parce que finalement, c'est la violence qui est accoucheuse de l'histoire. Il n'y a pas ça chez Proudhon. Proudhon, il dit, si vous voulez faire une révolution socialiste, faites-la ici et maintenant dans l'économie. C'est-à-dire, plutôt que de dire, on va appropriation collective des moyens de production. Vous êtes un patron, moi j'arrive, je vous vois votre entreprise. Et puis si vous n'êtes pas content, on vous coupe la tête. Donc on vous exproprie, vous n'êtes plus le patron. Et puis éventuellement, on vous humilie, et puis éventuellement, on vous met en prison, et puis éventuellement, etc. On vous pourrit la vie, quoi. Et on prend votre entreprise, et c'est nous qui allons faire marcher l'entreprise. C'est Orwell, hein. C'est-à-dire que le jour où vous avez remplacé le patron, vous êtes encore plus autoritaire que le patron. C'est la ferme des animaux. Proudhon, il dit, non, mais on confisque rien. Il était contre l'appropriation, contre l'expropriation, et contre l'appropriation collective des moyens de production. Il dit, réorganisons autrement les moyens de production. Je dis souvent ça, et vous me pardonnerez pour ceux qui savent, mais je rappelle ce qu'est chez Proudhon la théorie de ce qu'il appelle l'aubaine. Et quand l'obélisque de Louxor arrive à Paris, il faut la mettre debout, cet obélisque, et à un moment donné, Proudhon dit bah, il a fallu que 200 grenadiers travaillent à la traction pour tirer, faire de telle sorte que l'obélisque se mette debout. Et on dit voilà, 200 personnes ont travaillé une heure et l'obélisque s'est trouvé debout. Et Proudhon dit imaginez qu'une personne travaille 200 heures. À pouvoir tirer longtemps sur l'obélisque, l'obélisque va rester par terre. Proudhon dit, il se fait pourtant que ces 200 personnes qui auront, de manière conjuguée, associé leurs forces, ne seront pas payées de leurs forces de travail. Ils seront payés comme s'ils étaient 200 fois une personne. Or, dit Proudhon, 200 fois une personne, c'est pas la même chose que 200 personnes qui font un travail rendu possible par la communauté et la collectivité, par l'association de la force de travail. Et il dit, cette plus-value, ça deviendra la plus-value chez Marx, il appelle ça l'aubaine. Et il dit, la propriété, c'est le vol.
C'est ça l'expression, la propriété, c'est le vol. La légende, ah bah oui, c'est un anarchiste, il voulait tout confisquer. Pas du tout, il défendait la petite propriété privée, il pensait que avoir sa petite maison, avoir son cheval ou son chien, c'était, hein, c'était on pouvait posséder ça, il n'y avait évidemment aucun problème. Et il dit, dans la mesure où le travail n'est jamais payé comme il devrait l'être, il y a effectivement une espèce de vol, et ce vol fait que vous avez des petits salaires, etc. C'est la pensée de Proudhon. Donc Proudhon, il ne veut pas exproprier les patrons, il veut juste réorganiser autrement le travail, en disant, c'est ce que voulait le général de Gaulle quand il propose la participation, l'association du capital-travail. Il dit, ce que vous êtes, vous, le patron, vous ne pouvez l'être que parce que vous avez des ouvriers qui travaillent avec vous, qui rendent possible ce travail. Alors partagez. Il ne s'agit pas de dire c'est 50-50 pour tout le monde. Le patron, il a une entreprise, il a du talent, il a investi, il a des vertus que les autres n'ont évidemment pas. Donc évidemment, il ne s'agit pas de dire c'est 50-50 ou c'est éventuellement 99% pour les ouvriers et 1% pour le patron. Non, ça s'entend, ça se négocie, ça se bricole, etc. Et ce socialisme-là n'est pas un socialisme des barbelés. C'est pas un socialisme du camp de concentration. C'est pas un socialisme de l'expropriation. C'est pas un socialisme de la négativité. C'est pas un socialisme qui nous dit, bon, on va faire couler du sang, mais après que le sang aura coulé, on aura vraiment une belle société, ce sera formidable, et vous verrez, ce sera très bien. Et je dis, mais c'est quand même dommage que pour les gens, le socialisme, ce soit le marxisme, éventuellement, et que ce soit représenté par des gens qui, aujourd'hui, sont restés dans le logiciel marxiste. Je rappelle quand même que quand Mélenchon était trotskiste, les trotskistes ont tous un surnom ou un nom de combat politique, et que le surnom de Mélenchon, c'était Santerre. Et que Santerre, c'est celui qui est le plus dans la jubilation dans l'assassinat de Louis XVI. Que c'est celui qui jouit de conduire Louis XVI à l'échafaud, etc. Quand vous choisissez le nom du type qui jouit de décapiter un homme, c'est quand même ça. Je veux dire, on peut très bien dire, les Girondins disaient très précisément, on peut abolir la monarchie sans décapiter un homme. Et on n'avait pas besoin d'en tuer un deuxième, qui était Louis XVII, le fils de Louis XVI. Je veux dire, ce petit garçon de 8 à 10 ans a passé 2 années en prison, il a été torturé par des Jacobins. Je ne pense pas que les Girondins auraient rendu ça possible. Je ne pense pas que enfin, je le sais, Proudhon n'en parle pas, mais je sais que Proudhon est contre Robespierre et contre ceux qui ont utilisé la violence dans l'histoire. Et ça aussi, c'est une façon française de faire. Je pense que réorganiser la société dans la discussion, c'était une façon française de faire. Et c'était très exactement l'antidote à la violence marxiste, à la violence révolutionnaire. Ce en quoi je pense que Camus est une grande figure, qui, lui, n'a jamais justifié la violence. Jamais la guillotine, jamais la peine de mort, jamais le terrorisme. Enfin, toute sa vie, c'est ça. Camus, quand il écrit sur les poseurs de bombes chez les Russes, par exemple, au 19e siècle, il dit, est-ce qu'on a le droit de faire sauter le cabriolet de l'empereur si l'empereur est avec son épouse et avec ses enfants? Est-ce qu'on tue les enfants quand la voiture à cheval passe? Et, bah, certains disent, bah ouais, l'enfant, il est coupable, il est responsable, etc. Et Camus dit, non, fait pas ça, quoi. Les bolcheviks ne se gêneront pas, qui tueront la totalité de la famille impériale. Et donc, oui, il y a une tradition française du socialisme méconnue, oubliée, et c'est bien dommage parce que ça permettrait à plein de gens qui ont bien raison de se dire qu'ils ne sont pas de gauche, parce que si la gauche, c'est ce qu'on nous montre, on n'a pas forcément envie d'être de cette gauche-là, de se dire que dans l'idée d'une plus grande justice, d'une plus grande... J'allais dire une plus grande égalité, c'est devenu problématique aujourd'hui parce qu'on ne pense plus qu'en termes d'égalitarisme, c'est-à-dire on dit ah, il n'y a plus l'égalité, ça devrait permettre aux hommes d'être des femmes, aux femmes d'être des hommes, aux enfants d'être des adultes, aux adultes d'être des enfants. C'est pas ça l'égalité, ça devient une espèce de perversion de l'égalité. Mais je pense que ce socialisme français est hélas oublié et qu'évidemment. Il ne faut pas compter sur les socialistes pour travailler, ça se saurait, mais ils auraient très bien pu dire, quand Mitterrand a renoncé au socialisme en 83, il faut qu'on reprenne les fondamentaux du socialisme français pour voir ce qu'on peut faire. Ils ont préféré dire, on va prendre une idéologie clé en main. Il se fait que cette idéologie clé en main, c'est le wokisme et c'est la cancel culture. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à dire, il va falloir un peuple de substitution. Le peuple est parti chez Marine Le Pen. Faisons un peuple avec les minorités. Et puis, les femmes du néo-féminisme, les maghrébins, les gens de couleur, les musulmans, les délinquants, etc., etc. Puis là, on va se fabriquer une autre gauche qui donne tort à Tocqueville. Tocqueville disait que la démocratie, le risque de la démocratie, c'était la tyrannie de la majorité. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait une tyrannie de la majorité, parce que ça voudrait dire qu'on écoute les gens. Alors que là, pour le coup, c'est une tyrannie des minorités. C'est pas exactement la même chose. Donc, il y a évidemment des leçons à prendre chez les socialistes français du 19e. Donc, finalement, ce que vous dites, c'est que, mais dans le livre assez précisément, c'est que
cet écart, il est dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, dès la Révolution française, le choix de, on va dire, de Robespierre contre Jacques Roux, c'est déjà un choix, effectivement, de la Révolution bourgeoise contre une autre révolution qui est celle qu'on appelle, on appelle les enragés, parce qu'il faut toujours nommer de façon par le discrédit ceux qu'on veut combattre, et que dès dans l'historiographie qui est faite de la Révolution française, c'est ce choix du robespierrisme contre effectivement soit les enragés. Alors il y a quelques contre-exemples, type Daniel Guérin par exemple, qui va valoriser, qui pour le coup lui aussi dans une tradition anarchiste, mais qui va valoriser celle des enragés. Et ce que vous dites, c'est que finalement d'un côté il y a effectivement une révolution bourgeoise qui finalement elle va s'accomplir aux dépens d'une révolution populaire qui, elle, non seulement ne va pas fonctionner historiquement, mais ne va pas fonctionner non plus historiographiquement. C'est-à-dire qu'en fait, elle est éteinte des deux côtés. Oui, je pense que si on fait une espèce d'enquête un peu facile en disant aux gens, allez, venez ici, vous allez me parler de la Révolution française. C'est quoi pour vous la Révolution française? Ça démarre quand? Bon, ça, c'est assez facile, 14 juillet 1780, ça se termine quand? Quand est-ce qu'on la termine, la Révolution française? C'est Thermidor, c'est la fin du Directoire, c'est Bonaparte. Est-ce que c'est quand Bonaparte cesse de l'être et devient Napoléon? Est-ce que c'est 1830? Est-ce que c'est 1848? Et puis certains disent, mais elle n'est même pas en finie encore, la Révolution française. Après ça, on se dit, mais que sont les Jacobins? Que sont les Girondins? Les gens ne savent pas trop. Si vous dites, alors, Marat, vous le classez où? Et Condorcet, vous le classez où? Qu'est-ce qui distingue un montagnard d'un Girondin, d'un Jacobin? Qu'est-ce que c'est que le Marais? Qu'est-ce que c'est que sont les Feuillants? Que sont les Monarchiens? Que sont, etc. Alors, les gens, ils sont un peu perdus, quoi. Charlotte Corday. Alors, je ne parle même pas de droite ou de gauche, quoi. Parce que Charlotte Corday est de droite ou de gauche. Mais révolutionnaire, contre-révolutionnaire, monarchiste. Les gens sont un peu perdus. J'achète, il y a quelque temps, sur un marché, un livre. J'aime beaucoup les livres anciens de l'école de l'école de la République. Et j'achète un livre d'histoire. Et de 1946, destiné aux élèves qui ont 8 ou 9 ans. Et c'est très intéressant de voir les découpages. Le fameux, nos ancêtres les Gaulois, etc. Alors, ils sont un peu crétins, un peu moustachus, un peu des pauvres types, quoi. Puis heureusement, Rome arrive, quoi. Heureusement que les Romains sont là, parce qu'ils vont civiliser les Gaulois, ils ont des moustaches, ils boivent de la bière, ils mangent du sanglier, et puis on a les autres, l'aqueduc, la propreté, etc. Déjà, ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Les Gaulois, ils étaient beaucoup plus élaborés que ce qu'on veut bien dire, il y avait une civilisation, il y avait une culture, les druides sont des gens qui s'apparentent un peu aux philosophes pythagoriciens, enfin c'est complexe. La pensée celte, la pensée gauloise, et c'est pas les crétins qui se trouvent civilisés par les Romains. Et ça, c'est un schéma intéressant pour ce qu'on se disait tout à l'heure. Parce qu'en gros, les Français sont tous là dans le genre, bon, on est un peu crétins, si seulement on avait un bon fasciste pour nous remettre debout, quoi. Alors, si c'est les Romains, c'est bien. Si c'est Adolf Hitler, c'est pas mal. Si c'est Staline, c'est quand même pas si mal, etc. Et à un moment donné, on se dit, mais enfin, faut arrêter de chercher du génie français dans la soumission à une puissance étrangère. Donc ça commence comme ça. Et puis, évidemment, il y a une longue période. Alors, c'est la féodalité. C'est terrible, la féodalité. Il y a des trucs incroyables, etc. Alors, il y a un moment donné, un joli dessin où on voit un château fort très loin sur une butte, sur un petit monticule. Puis, au pied de cette butte, on a un type qui est en train de labourer avec son cheval. Il souffre, il a des peaux de bête, il est là, etc. Bon. Et page suivante, on a quoi? L'intérieur du château. Alors là, ils sont jolis, ils sont roses, ils sont parfumés, les femmes sont bien habillées, il y a des danseurs, il y a des ours, il y a un type qui joue du théorbe ou du luth ou je sais pas quoi, et tout ça est formidable, il y a de la popote, ça fume, c'est extrêmement sympathique. Donc on a compris, lutte des classes. Il y a le paysan qui est malheureux dans ses champs, et puis à côté, il y a le méchant roi, le méchant seigneur local, etc. Bon, on tourne les pages. Et puis, on voit que le seigneur, quand il descend de son château, c'est pour ravager les terres du paysan. Le paysan a beaucoup travaillé. Puis un jour, le type, il dit, moi, je vais chasser. Donc, je ravage les blés, tout ça, etc. Et je donne un coup au type qui est au paysan. Et puis, le paysan... Bon. Et à un moment donné, page suivante, et là, je me dis, mais je lis bien ou je... C'est Jacques Bonhomme. On lui donne un nom, il s'appelle Jacques Bonhomme. Donc, c'est Bonhomme. Le Jacques Bonhomme, il est tellement malheureux, il souffre tellement de faim pendant que les autres ils se font retirer le sanglier d'Astérix, que il est obligé deux choses. Hein, mais j'étais obligé de me reprendre à deux fois en me disant mais je ne comprends pas ce que je lis. Deux choses pour pouvoir survivre, puisqu'on lui vole sa nourriture, puisque le méchant seigneur, il lui ravage ses récoltes. Il a aucun intérêt à ravager les récoltes, puisqu'il prend de l'argent dessus, donc ça n'a aucun intérêt. Puis éventuellement, s'il ravage les récoltes, c'est la famine, et la famine, ce sont des gens qui font des jacqueries, donc ça ne peut pas marcher comme ça. Eh bien, le Jacques Bonhomme, il a deux possibilités pour survivre. La première, il va dans les bois, le premier type qui passe, il l'égorge, il le mange.
Je lis, je me dis, attention, c'est un livre de cours moyen, t'as bac plus quelques années, tu devrais quand même comprendre ce qui est écrit, comment se fait-il que ça résiste? Et intellectuellement, je me dis, mais ça peut pas être ça. Je peux pas imaginer que le paysan, il est tellement malheureux qu'il va chercher des gens dans la forêt, puis il les égorge, il les rôtit, il les mange, non, il les mange crus même. Oui, il mange cru. Virgule, il ne fait pas que ça, Jacques Bonhomme. Il déterre aussi les morts pour les manger. Je dis, mais je ne comprends pas ce que je lis. Ça n'est pas possible. On ne peut pas me dire ça. Eh bien, si. Dans un manuel scolaire, avec des préfaces d'inspecteurs d'académie de l'époque, francs-maçons, c'est-à-dire éclairés, intelligents, supérieurement intelligents, c'est-à-dire des gens qui font avancer la pensée et la réflexion au-delà des croyances religieuses, etc. Tous ces gens qui ont tout estampillé, la préface, le machin, l'introduction, qui ont rendu possible le bouquin, ils ont accepté ça. C'est-à-dire les méchants seigneurs qui font de telle sorte que les paysans sont obligés de détrousser les gens dans les forêts pour les manger ou éventuellement de manger leurs morts, comme on dit aujourd'hui. Là, je me dis, mais c'est quand même pas possible. On tourne la page, Révolution française. Ah, bah là, c'est formidable. Parce que d'un seul coup, ils vont pouvoir manger à leur faim, les paysans, quoi. Et puis les méchants seigneurs, bon, bah oui, voilà, hein, il se passe des trucs, mais justement, pas de guillotine, pas de Robespierre, rien sur la Révolution française, juste le nom de Hoche. Comment se fait-il que dans la totalité de la Révolution française, ce soit le nom de Hoche qui soit gardé pour qu'on puisse nous dire la Révolution française, c'est ça. Ce sont les victoires révolutionnaires militaires européennes. C'est quand même incroyable que la Révolution française, ce soit ça. Et puis après, ça s'enclenche très vite et on a effectivement le socialisme, la révolution industrielle. Et d'un seul coup, le pauvre paysan, il conduit un tracteur, il y a de la fumée. Et puis après, il y aura des locomotives. Et puis après, on voit des aéroplanes. Et alors, cette façon d'écrire l'histoire, je me dis, mais elle est toujours dans l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'on n'y est plus, hein, on n'est plus à Jacques Bonhomme qui mange ses morts, mais quand même. C'est-à-dire que quand on entend tous ces gens qui nous parlent aujourd'hui de la Révolution française, Louis XVI, alors c'était un type, alors il était crétin, il était impuissant, il n'arrivait pas à faire des enfants, c'est un type qui était un mou, il se fait avoir par sa femme qui couche avec Fersen, etc. Attendez, du calme, c'est pas comme ça. C'est un type intelligent, brillant, qui a une correspondance avec Hume, philosophe anglo-saxon, qui était un lecteur de Rousseau, qui affrète des bateaux pour faire des voyages, la Pérouse, etc., qui est très soucieux de ce qu'est le monde, qui est un homme de la technique, qui est très intéressé par toute la modernité. Donc c'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Et je dis, mais si vous voulez vraiment qu'on fasse l'histoire de la Révolution française, alors il faut tout reprendre et tout démonter. Et arrêter de dire qu'il y a le bien, il y a le mal, qu'il y a la féodalité qui est toute noire, avec un Moyen-Âge débile, et puis d'un seul coup, la philosophie des Lumières. Je suis en train de travailler sur la philosophie des Lumières, mais il y a des textes chez les philosophes des Lumières, mais à un moment donné, il faut arrêter de dire ce qu'on dit sur les philosophes des Lumières. C'est-à-dire qu'il y a un racisme terrible, il y a une misogynie terrible, il y a un antisémitisme incroyable, il y a des invitations à l'eugénisme quand même chez les philosophes des Lumières, chez Maupertuis, chez Condorcet par exemple, où on nous dit qu'il va falloir qu'on associe les meilleurs, etc. On fait ça dans les haras, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça avec les humains? Il y a même chez certains philosophes des invitations à accoupler des singes et des hommes pour fabriquer des domestiques qui seraient vraiment des domestiques faciles à piloter. Chez Diderot, on a ça. Chez la maîtrise. Donc on se dit, mais il faut... Enfin, je fais de la contre-histoire en permanence en disant... Allez voir au texte, lisez, et vous verrez que c'est pas très exactement ce qu'on raconte. Donc, philosophie des Lumières, je veux bien, mais pas autant qu'on veut bien le dire. Quand Rousseau nous dit que l'imprimerie, c'est nul, que la civilisation, c'est nul, que les sciences, c'est pas bien, que l'opéra, c'est une catastrophe, que le théâtre, ça devrait pas exister, on dit philosophe des Lumières, ça. Il y a un moment donné où on se dit il faut arrêter de croire ce qu'on nous raconte parce qu'on a fabriqué une espèce de mythologie qui est l'histoire de France. L'histoire de France, c'est pas ça. Et parce qu'on a construit sur des mythologies, on est aujourd'hui capable d'écouter les bêtises, là, je vais pas redonner les noms que j'ai pu donner tout à l'heure, mais de gens qui aujourd'hui tiennent le haut du pavé politique en se disant mais ça peut pas être ça la France, quoi. Et si, quand on nourrit les gens de bêtises pendant deux siècles, il y a un moment donné où on régurgite de la bêtise, quoi. Alors justement, alors, vous avez évoqué son nom, là. Rousseau, par ailleurs, c'est... Jean-Jacques ou Sandrine? Jean-Jacques. Il faut préciser, maintenant. Jean-Jacques, puisqu'on va... On va rester au XVIIIe siècle. Il y a un concurrent, une concurrente, en l'occurrence. On va être plutôt au XVIIIe siècle que XVIIIe arrondissement.
Et donc, Rousseau, vous y revenez plusieurs fois, parce que, bon, par ailleurs, c'est très compliqué, Rousseau, dans sa philosophie, parce que la question de la volonté générale, c'est quand même des textes assez, assez rugueux. Mais ce que vous dites, justement, ce que vous évoquez à l'instant là, c'est que, finalement, le choix, au final, qui est fait de Rousseau comme philosophe totem de la Révolution, des acteurs de la Révolution, pour vous, c'est un choix qui est extrêmement... qui a des conséquences, ce que vous avez évoqué là. Et finalement, c'est un choix qui se fait entre Rousseau et Hobbes, avec l'idée qu'on a affaire face à face à deux anthropologies complètement différentes. C'est-à-dire d'un côté, une forme de naïveté, vous allez y revenir, qui est celle de Rousseau, qui est finalement l'effet n'importe pas, commençons par écarter les faits, ce qui importe, c'est ce qu'on croit. Et il faut qu'on fasse advenir ce qu'on croit. Et de l'autre côté, on a Hobbes, qui lui, comme vous dites, est un tragique, et on sait à quel point les figures de tragique vous sont chères, qui lui dit non, on va regarder comment fonctionnent les choses, et à partir de là, on va construire quelque chose et une société. Avec cette chose étonnante qui est tous les deux, et on y viendra après, atteignent un point qui est très important pour vous, qui est la question de la souveraineté. Mais pour revenir avant cela, effectivement, pour vous, effectivement, la grande distinction, elle va se faire sur est-ce qu'on est plutôt du côté Rousseau, Jean-Jacques, ou plutôt du côté Thomas Hobbes. Et ça, c'est un choix décisif, finalement. Oui, alors il faudrait que je reprécise, mais on n'a pas trop le temps, mais il faudrait aussi ajouter Voltaire, oui. Il faudrait aussi ajouter Montesquieu, il faudrait ajouter tous ces gens qui ont été des penseurs de la monarchie constitutionnelle. Et puis il se fait que Robespierre est fasciné par Rousseau. Il dit qu'il l'a vu, mais on ne sait pas comment ça s'est passé, s'il l'a vu de loin, s'ils se sont parlé, du genre « j'aime beaucoup ce que vous faites », ou on ne sait pas du tout comment ça s'est passé. Toujours est-il qu'il y a dans Rousseau, là je parlais tout à l'heure de sa détestation de l'imprimerie, de la science, etc. Ça, c'est le discours sur la science et les arts. Mais le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, vous l'avez dit tout à l'heure, est quand même un truc terrible. Il dit « commençons par écarter les faits ». Bah, disons, on écarte les faits et on se dit « bon, on va rêvasser ». Je remets ça en perspective avec les conditions de possibilité, les raisons qui font que ce texte existe. C'est une question de l'Académie de Dijon. Et l'Académie de Dijon dit, voilà, on pose une question, vous envoyez vos textes, puis il y a une somme d'argent à gagner. Et il concourt, Rousseau. Donc il fait un truc en disant, je vais essayer de séduire le public, quoi. Je voudrais bien avoir la petite bourse, quoi. Et donc, il n'a que faire de dire la vérité. Il veut juste plaire au jury. Et donc, dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il dit plein de sottises. Il commence par dire, commençons par écarter les faits. Ensuite, il dit, posons l'hypothèse d'un homme naturel. Bon, pourquoi pas, c'est une hypothèse. Il pose une hypothèse. Et puis, au fur et à mesure où on tourne les pages, cette hypothèse devient une vérité, puis ça devient une certitude, et puis c'est à partir de cette certitude qu'il faut construire. Bah, on a envie de dire, on est passé d'une hypothèse à une certitude un peu rapidement. Donc ce serait bien que tu puisses nous expliquer comment ça se passe. Après ça, il y a des contradictions. Il dit, ah, l'homme à l'état de nature, c'est formidable. Il a soif, il y a un ruisseau qui passe par là, on boit un coup. Il a faim, il y a un pommier, il prend une pomme, il mange. Il a froid, bah, d'un seul coup, il prend une peau, et puis il se recouvre, et puis d'un seul coup, il a plus froid. Etc. La nature pourvoit tous les besoins de l'homme, et tout est formidable. Et puis, il y a un méchant qui arrive, et qui dit, ceci est à moi. Et dit le premier qui commence à installer une clôture, c'est celui qui invente la propriété, et alors, ça, c'est la pire des choses. Catastrophe, c'est le début de la fin, la propriété. Et on dit à Rousseau, mais attends, c'est pas la clôture qui est problématique, c'est que s'il y a une clôture, c'est qu'il y a quelque chose à enclore. Donc, avant la clôture, il y a déjà une propriété. C'est-à-dire que la propriété préexiste la clôture, puisqu'on fait une clôture justement pour dire « ça, c'est à moi, et je veux le protéger des autres ». Donc, ça veut dire qu'il y a des gens plus malins que d'autres. Il dit que les hommes sont égaux, mais il y a quand même des gens qui ont des maisons à protéger, et puis d'autres qui n'ont pas de maisons à protéger. Donc, il y a des futés qui ont fait des maisons, et puis il y a des pas futés qui n'ont pas fait de maisons. Et ces pas futés se disent « mais finalement, cette maison, elle m'intéresse ». Donc, on est obligé de la clôturer. Donc, on se dit « c'est la preuve que l'homme n'est pas naturellement bon ». C'est toi-même qui le dis, Jean-Jacques. Donc, tu devrais quand même te lire et voir que ça ne marche pas. Cette hypothèse d'un homme naturel n'est qu'une hypothèse, d'une part. D'autre part, c'est une hypothèse fausse. Ensuite, il en fait une vérité. Et il dit lui-même que cette vérité n'est pas vraie, puisque finalement, lui-même dit qu'il y a des choses à enclore, et que ces choses à enclore font la démonstration qu'il y a une propriété avant que l'enclosure, comme on pourrait le dire en inventant le mot à partir des Anglais, n'apparaisse. Donc, c'est une sottise. Et puis après, il dit, ben voilà, c'est l'exploitation, c'est ceci, c'est cela. Ah, alors là, c'est pas bien. Donc, on a eu un état de nature formidable, l'état de culture qui est pas bien. Et puis, le troisième temps qui est formidable, c'est que si on passe au contrat social, ça va être bien. On va retrouver le bonheur des hommes. Et alors là, il dit, volonté générale, vous en avez parlé tout à l'heure, et de fait, Rousseau dit, la volonté générale n'est pas la somme des volontés particulières,
mais la somme des volontés particulières en tant qu'elle se détermine en fonction de l'intérêt général. Je disais toujours à mes élèves, si je vous dis on va faire un voyage scolaire, où avez-vous envie d'aller ? Et alors, moi je veux ceci, moi je veux cela, moi je veux cela. Je dis, bon, d'accord, mais ça c'est votre intérêt personnel. Quel est le voyage le plus intéressant pour la totalité de la classe ? Et déterminez-vous en fonction de ça. Et quand vous aurez voté, en fonction de l'intérêt général, vous aurez fabriqué une volonté générale à laquelle tout le monde devra se soumettre. Et Rousseau dit, bah évidemment, il y a des gens qui n'auront pas voté pour ce qui se sera trouvé distingué par la majorité. Eh bien, Rousseau dit, cela, on les forcera à être libres. On les forcera à être libres. C'est-à-dire que la volonté générale, si vous n'y consentez pas, on vous force à être libre. Robespierre, il prend ça et il dit, la volonté générale, c'est la révolution. Cette révolution, si vous n'en voulez pas, on vous forcera à être libre. Et la meilleure façon de vous forcer à être libre, c'est la liberté ou la mort, l'échafaud. Et là, on se dit, ça va vite quand même. Ça va vite, mais Rousseau défend la peine de mort dans le contrat social. Ouais, il a pas mal lu, hein, Robespierre. Parce qu'il dit à un moment donné, ces gens qui refuseraient de fabriquer de la communauté, finalement, il faut s'en débarrasser. Il faut une espèce de religion sociale. Alors ça, c'est plus le contrat social, c'est la profession de foi du vicaire savoyard dans l'Émile. Et là, on se dit, ben, tout y est, quoi. L'Émile est un texte éminemment dangereux aussi. Grande pédagogie libertaire. Je dis, mais vous rigolez ou quoi ? C'est une pédagogie ultra autoritaire. C'est-à-dire que le précepteur, il est là en permanence avec son Émile, avec l'individu dont il s'occupe, et il ne le lâche pas d'une semelle. Il dort dans la même chambre que lui jusqu'à 20 ans. Et à 20 ans, après, on lui file un tuteur qui va s'occuper de lui. Et ça, ce sont les fragments républicains, d'institutions républicaines de Saint-Just, par la suite, qui reprennent ce genre de théorie. Et alors, il dit, mais... Enfin, Rousseau nous dit, mais il faut être malin, il faut lui donner l'impression qu'il est libre, mais il faut le conduire partout, donnez-lui l'impression que c'est lui qui va décider, mais c'est vous qui décidez tout le temps. Et cette pédagogie ultra-autoritaire, elle est quand même sidérante. Puis elle nous dit, en plus de ça, évidemment, qu'il faut absolument que le personnage soit un paysan, il n'a pas besoin d'être un intellectuel, il faut qu'il ait un travail manuel, charpentier, c'est formidable, etc. Et il dit, mon modèle, il faut que j'en fasse un chevreuil, dit-il. C'est formidable comme pédagogie. Transformer un homme en animal, quoi. Mais c'est le projet pédagogique de Rousseau. Enfin bon, on arrête sur ce projet, parce que sur ce personnage, mais je trouve que, exactement comme Hegel est un personnage problématique avec sa théorie de la négativité, Rousseau est un personnage dommageable avec son hypothèse d'un homme naturellement bon. Et Hobbes, lui, part à l'inverse. C'est-à-dire que lui, il dit, Rousseau, l'homme est naturellement bon. Lui, Hobbes, il reprend la phrase de Terence, l'homme est un loup pour l'homme, le fameux homo homini lupus. Et il dit, l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire, dans l'état de nature, c'est la sauvagerie. Les plus forts dominent les plus faibles, les plus rusés, les plus malins dominent les moins déliés, et on a toujours peur. On dit que sa mère a eu peur quand elle était enceinte avec l'invincible Armada, et lui-même, il a été traumatisé par cette peur, et que sa philosophie politique, il le dit aussi, hein, je dirais, que sa philosophie politique consiste à faire de telle sorte que nous n'ayons pas peur. Et il dit, dans l'état de nature, on a toujours peur des autres parce qu'ils peuvent toujours nous soumettre, nous détruire, nous ravager, etc. Et il dit, renoncez à votre liberté personnelle, fabriquez un contrat social, et si vous renoncez au pouvoir individuel de nuire, vous aurez la protection de la société. Donc l'État va vous protéger. Et ça, c'est très intéressant. C'est une vieille idée, hein. C'est chez Épicure. Le contrat social n'est pas inventé par Rousseau, il n'est pas inventé non plus au siècle précédent par Hobbes au XVIIe, mais par Épicure, pour ce qu'on en sait, il reste quelques fragments, notamment quelques fragments politiques, mais au moins, il y a la théorie du contrat. Elle s'y trouve. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit, tant qu'il n'y a pas de contrat, nous dit Épicure. Et donc, on a beaucoup dit que Hobbes était un théoricien d'absolutisme. Moi, je l'ai bêtement dit quand j'avais 17 ans à ma directrice de thèse, qui me disait, mais pas du tout, il est juste légitimiste, etc. Et en fait, elle avait tort, et j'avais tort aussi. Parce que, alors en même temps, il faut avoir lu l'œuvre complète, et le Léviathan, oui, c'est quand même 500 pages, et grand format, et à un moment donné, il y a une phrase, hein, mais il faut la trouver, et il faut pas être un peu fatigué, et puis lire vite fait, il y a un moment donné, on se dit, hop, 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 je reprends, il a dit quoi ? Ah oui, ça veut dire ça. Et il y a un moment donné, il nous dit, vous renoncez à votre liberté de nuire, parce que l'État vous protège, mais... Si l'État cesse de vous protéger, vous recouvrez la possibilité de retrouver votre liberté. Vous avez la possibilité de dire, alors moi, je ne suis pas protégé, donc je me protège par moi-même. C'est-à-dire que c'est le droit à l'insurrection.
Et c'est très exactement le contraire de Rousseau. Rousseau dit, celui qui n'est pas d'accord, on le forcera à être libre, et finalement jusqu'à la peine de mort. Et Hobbes dit, ah mais on vous protège, mais si l'État ne vous protège plus, vous avez le droit d'insurrection pour vous. Moi, ça me paraît beaucoup plus intéressant, effectivement, d'avoir un philosophe qui nous dit que le droit à l'insurrection est possible ou pensable. Alors, c'est pas n'importe quand non plus, hein. Il ne faut pas dire, j'aime pas Macron, il a dit l'autre jour ça, droit à l'insurrection, et puis je descends dans la rue avec des armes. C'est une arme forte, l'insurrection. Il faut pas manier ça légèrement. Le droit à l'insurrection n'invite pas à banaliser l'insurrection, mais donne la possibilité de dire oui à un moment donné, ou quand vous n'êtes plus protégé et que c'est même celui qui doit vous protéger qui vous expose, vous avez la possibilité de vous insurger. Mais ce qui est toujours la difficulté, que ce soit la désobéissance civique ou effectivement le droit à l'insurrection, c'est qu'effectivement c'est qui détermine le point à partir duquel on doit désobéir, on doit s'insurger. C'est quand même l'un des grands problèmes aussi de la philosophie politique. Alors, au cœur de tout ça, vous placez une notion qui vous est extrêmement chère, qui est celle de souveraineté, et que vous articulez finalement aussi bien d'un point de vue individuel, et ça, on sait, c'est votre attachement à la théorie de la Boétie, qu'à une échelle plus large, qui est aussi bien celle de la communauté dans laquelle on peut vivre quotidiennement que celle de l'État. Et pour vous, c'est vraiment au cœur, on va dire, de votre politique, il y a cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique sans souveraineté. Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi une grande propagande. Alors, de la même manière qu'il y a une propagande pour une espèce de chromo de la Révolution française, il y a une propagande contre la souveraineté ou le souverainisme depuis 30 ans. Parce qu'effectivement, en 92, les Français qui ont voté oui à Maastricht ont utilisé pour la dernière fois leur souveraineté en disant « le dernier usage que nous faisons de notre souveraineté, c'est d'y renoncer ». C'est-à-dire, nous étions souverains, et au nom de cette souveraineté, on vous dit qu'on n'est plus souverain et qu'on vous donne la souveraineté à vous, Bruxelles, et désormais, vous allez décider pour nous. Je dis souvent que le souverainisme n'est pas une politique, mais que le souverainisme, ce sont les moyens de la politique. Et j'utilise aussi souvent cette image. Je dis le souverainisme, c'est la possibilité de dire on doit pouvoir piloter son bateau et être soi-même à la barre. C'est ça le souverainisme. Et le souverainisme, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va prendre à bâbord ou à tribord. Ça veut dire que le bateau, c'est nous qui le conduisons. Et je dis souvent aussi, j'utilise souvent cette image. Moi, j'habite dans un immeuble de 5 étages, et donc il y a une copropriété. Et dans cette copropriété, j'imagine que la copropriété décide de l'heure du lever, du coucher, de l'habillement, en disant, voilà, vous n'aurez pas le droit de porter du jaune, les petits déjeuners seront pris entre 7h et 7h30, les déjeuners n'excéderont pas à 13h, le soir, plus de bruit à 21h, on ne reçoit plus les gens qui mesurent au-delà d'1m75, vous n'aurez pas le droit de cuisiner du poisson, etc., etc. Bon, ben, on n'est plus souverain, quoi, on n'est pas chez soi, c'est-à-dire, ce sont les autres qui décident pour nous. Et bien là, c'est la même chose. Personne n'accepte ça, en disant, le règlement de copropriété a dit décidé que je ne pouvais pas faire de poisson. Moi, j'adore le poisson, je mange pas de poisson parce que la copropriété l'interdit. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, dans le dispositif de l'Europe maastrichtienne, qui est problématique, non pas parce que c'est l'Europe, mais parce que c'est Maastricht, je suis un Européen, je dis, nous avons perdu notre souveraineté et nous ne pouvons donc pas mener une politique que nous voudrions mener. C'est-à-dire que, normalement, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et bien, le peuple, aujourd'hui, ne décide pas. C'est-à-dire que, comme Madame van der Leyen dit aux Italiens qui vont voter, si vous votez mal, nous avons les moyens de vous faire voir que vous aurez mal voté. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les peuples ne sont pas souverains. Alors, ils ont bien le droit de voter, mais s'ils votent bien. Et s'ils votent mal, on leur dit, vous allez payer le fait que vous ayez mal voté, parce que c'est pas comme ça qu'il faut voter. Ben oui, on n'est plus souverain. Donc, je suis souverainiste parce que je veux que le peuple soit souverain, vraiment, et qu'on puisse demander au peuple ce qu'il en pense. Monsieur le peuple, est-ce que vous êtes d'accord pour que la France s'engage aux côtés des Ukrainiens pour mener une guerre auprès du peuple ukrainien? Oui ou non? Mais là, d'un seul coup, on a un chef d'État qui dit « j'ai décidé, c'est la guerre, voilà, on envoie des armements, on envoie des canons, mais on n'est pas co-belligérant, hein, pas du tout. Ça commence quand, la co-belligérance? Quand on donne des armes à l'Ukraine, on a l'impression que Poutine va nous dire qu'on n'est pas des co-belligérants. Vous nous direz quand ça commence, la co-belligérance? Bah non, ça paraît quand même très clair. Où est-ce que ça a été décidé, cette guerre? Qui la décide? Et pourquoi on n'intervient pas, par exemple, au Tibet? Depuis 1959, le Tibet est occupé par la Chine. Pourquoi tout de suite on n'intervient pas en Arménie? Rien en Arménie. Ah, il n'y a aucun problème. Évidemment, là, il n'y a pas l'Europe, il n'y a pas le gaz, et puis on ne va pas s'opposer à l'Azerbaïdjan, parce que ça voudrait dire qu'on s'oppose aussi à la Turquie, et là, on a les boules. Donc, quand il s'agit d'être un peu courageux et de prendre des positions qui défendraient l'Occident chrétien contre l'islam, alors là, il n'y a plus un Français qui vaille, là.
On dit rien sur le Qatar, on y fait même une Coupe du Monde de football. On dit rien sur les pays, les Émirats, où on sait très bien qu'on y décapite des gens parce qu'ils sont homosexuels. Alors, il n'y a aucun problème, là, on ne fait pas la guerre, là-bas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des bonnes guerres, il y a des guerres qu'on ne fait pas, il y a des guerres qu'on doit faire, il y a des guerres... On devrait quand même pouvoir poser cette question, et le peuple devrait pouvoir dire... Nous allons pouvoir faire quelque chose. On peut, moi, c'est ouvert. On peut très bien imaginer que on prend le parti de Zelensky, on va aider Zelensky, etc. Moi, je veux bien que ce soit fait, mais que ce soit décidé et pas par des gens dont on sait très bien qu'ils sont jugés partis. C'est-à-dire cette Europe, ça fait des années qu'elle dit on avance, on avance, on avance, et on va manger le plus possible de terres anciennement russes. Je rappelle quand même pour les gens où je l'apprends à ceux qui ne le sauraient pas qu'il y a 1000 têtes nucléaires américaines sur le territoire européen. 1000 bombes atomiques en Europe, américaines. Pourquoi donc 1000 bombes atomiques sur le territoire européen? Pourquoi faire? Mais qui on menace? Qui les Américains menacent-ils avec leurs 1000 bombes atomiques placées sur le territoire européen? Personne. C'est juste qu'il faut entreposer, quoi. Donc il y a un moment donné où on peut dire... On peut faire des guerres, on peut soutenir des gens qui font des guerres, je pense qu'effectivement il faut le faire, mais pas sans le peuple. Et pas sans des éclairages. Et d'un seul coup... Tous ces BHL, Mac, Attali, etc., qui nous disent « le souverainisme, cette saloperie », c'est une citation de Bernard Henry, « le souverainisme, cette saloperie ». Ah, mais quand il s'agit d'Israël ou quand il s'agit de l'Ukraine, alors là, il faut être souverainiste. Vive le drapeau ukrainien, vive l'armée ukrainienne, vive les soldats ukrainiens, vive la souveraineté, le souverainisme ukrainien, vive le militantisme ukrainien, vive les hymnes, vive la monnaie ukrainienne. Ah ben formidable, moi je suis d'accord, mais je suis d'accord avec ces gens-là. Mais vive l'Ukraine ukrainienne, vive l'Israël israélienne, mais vive aussi la France française. Et il y a un moment donné où le souverainisme consiste à dire, mais pourquoi est-ce que le souverainisme c'est bien chez les autres quand ça vous arrange, mais c'est jamais bien chez nous? Est-ce que dans ce que vous décrivez, finalement, le problème, c'est pas tant l'articulation avec l'Europe que la question de la représentativité? Parce que quand vous évoquez le fait que le peuple décide des grandes décisions prises par le pays, on pourrait imaginer que dans une échelle qui serait encore l'échelle nationale, le problème serait le même. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale déciderait d'eux, indépendamment de la consultation directe du peuple. Parce que vous évoquez aussi cela dans le livre. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'échelle nationale, la dimension jacobine du système politique fait que l'échelle qui vous semble convenir, c'est quand même une échelle plus réduite, aussi bien en termes d'échelle géographique que d'échelle humaine, qui permettrait une forme de décision qui est plus proche de ce qu'on peut évoquer sous l'idée de démocratie directe, ce genre de choses. Oui, par exemple, sur la question ukrainienne, pour continuer sur ce terrain-là, il est bien évident que je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut rien faire. L'alternative, ce n'est pas d'entrer un peu de manière sauvage dans cette guerre en disant qu'on n'est pas dans la guerre, ou de dire « Ah, mais c'est une guerre qui ne nous regarde pas ». Je pense qu'il faut faire confiance à la diplomatie et il faut faire confiance aux services secrets. Et il se fait que nous n'avons plus ni l'un ni l'autre. Et Macron récemment a dit « On n'a plus besoin d'un corps diplomatique, on va avoir des représentants, mais c'est moi qui vais les nommer. Mes potes ». On n'a pas besoin de diplomates, on a besoin de copains qu'on va placer là. Et on va mettre Castaner, par exemple, on va mettre de l'Allemand, on va leur donner, voilà, Castaner, il va être ministre, ambassadeur de France à Pékin, par exemple, parce que, voilà, il faut le recaser. Donc tous les gens qui ont perdu les élections, ils vont devenir des ambassadeurs. Mais on a juste envie de dire, attention, c'est un métier, c'est mille ans de culture pour faire un ambassadeur. C'est de la diplomatie, de l'intelligence, ce sont des gens polyglottes, ce sont des gens qui connaissent l'histoire, qui connaissent l'histoire du monde, ce sont des gens qui... c'est un métier, et c'est un des plus beaux métiers qui soit. Et Macron nous dit, oh non, on n'a plus besoin de... On démantèle la diplomatie française. Normal, si on veut détruire la France, on démantèle tout ce qui fait la France. Les services secrets, mais c'est la même chose. On a besoin des services secrets, on a besoin de gens qui sont des grandes oreilles, qui savent, qui connaissent, qui savent que machin est bidule et intel et que, etc., etc. Et donc on aurait eu la possibilité de dire la France existe, elle a donc sa diplomatie, elle a ses services secrets et elle a une ligne politique claire. C'est quoi la ligne politique claire de la France? C'est Bruxelles. C'est quoi Bruxelles? C'est les États-Unis. Les États-Unis décident, l'Europe exécute. Et la France exécute ce que l'Europe lui demande d'exécuter. Donc on lui dit, Van der Leyen, il dit, allô Macron, bon, on fait cette guerre, hein, on l'a fait aux côtés de l'Ukraine. Oui, bien sûr, on est d'accord, il toque, et puis Macron dit, nous, c'est ça, on va faire la guerre, ouais, etc. Bon, voilà, d'accord. Et on se dit, mais c'est comme ça que ça se joue en France. Donc on aurait très bien pu exister déjà comme une nation, être crédible, et avoir des choses à négocier. Macron dit, je l'ai appelé 3 fois, Poutine. Et... On a enregistré, hein, vous avez vu, je lui téléphone, et puis je l'appelle par son prénom. Hein, et puis, hey, Robert Poutine, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je te cause, parce que quand même, il va pas falloir que ça dure. On n'est même pas sûr qu'il soit au bout du fil, Poutine.
Moi, je suis communicant. Je lui dis, tu mets les pieds sur la table, t'appelles et tu dis, Vladimir, comment tu vas, etc. Oui, alors je voulais te dire, t'exagères un peu, qu'il y a au bout du fil personne. 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 Et on dit, ah, il a parlé trois fois à Poutine. Ah bon, il a parlé comme... un quart d'heure. Un quart d'heure, il parle en français, donc l'autre, il parle en russe, donc c'est déjà la moitié d'un quart d'heure, puisqu'il faut traduire. Donc, en gros, il lui a parlé trois minutes, et l'autre lui a dit, j'ai autre chose à faire. Et de fait, à un moment donné, l'autre lui dit, non, mais j'invente pas, hein, je veux dire. L'autre lui dit, je te prends, parce que, bon, voilà, t'es Macron, mais excuse-moi, j'ai du hockey, là, je pars sur le hockey, j'ai un petit tournoi de hockey. Donc oui, d'accord, mais bon, on se reparle, hein, puis toc, il raccroche. L'humiliation totale. C'est-à-dire qu'il met en scène ce qui doit être le plus privé et le plus intime. Les conversations entre les chefs d'État, c'est fait pour ça, un chef d'État. C'est quelqu'un qui, normalement, défend la France. Il est là pour faire parler la France justement, la fameuse ligne claire de la France, quoi. De dire, on a une ligne claire, et elle n'est pas européenne ou européiste. Elle peut être européenne, mais elle ne devrait pas être européiste dans le sens maastrichtien. C'est ce que disait Général de Gaulle. Les pays n'ont que des intérêts, et il a raison. Est-ce que notre intérêt, c'est de cesser d'être un pays ? Macron a répondu oui. Il faut fabriquer une espèce d'immense supermarché, c'est ça qu'il appelle l'Europe. Et donc, en ce sens, Zelensky, c'est formidable. Lui aussi, il veut faire de l'Ukraine un immense supermarché. Je rappelle que c'est le premier pays pour les gestations pour autrui, l'Ukraine. On sache quand même. Hein. Et que c'est ça le modèle de civilisation qu'on nous propose aujourd'hui. D'ailleurs, quand il a été vaguement président de l'Europe, Macron a dit « Nous avons une valeur, nous, l'Europe, l'avortement ». C'est formidable. Moi, je suis pour l'avortement, entendons bien. Hein. Mais l'idée que nous puissions faire de l'interruption volontaire de grossesse une valeur de civilisation, on se dit, il y a un truc qui ne va pas. Il peut trouver autre chose, je ne sais pas quoi, mais l'avortement. Je rappelle quand même que quand Simone Veil rend possible l'avortement, elle dit, attention, ça ne doit pas devenir un moyen de contraception. Il y a 200 000 avortements tous les ans depuis Simone Veil. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un phénomène de civilisation quand on a la possibilité d'avoir des préservatifs, des pilules du lendemain, d'une grande facilité, puisque même dans les collèges ou dans les lycées, on distribue des préservatifs. Et c'est très bien. Donc, à un moment donné, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas penser la question de l'avortement et penser aussi cette idée que nous n'aurions plus que ça à proposer comme valeur en disant la valeur de l'Europe, c'est l'avortement. Je me dis, oui à l'avortement, il faut que les femmes puissent avorter, mais encore oui, plutôt à la contraception et à l'éducation sexuelle, à tout ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'en arriver à l'avortement. Mais il y a un moment donné où on se dit, on n'existe plus comme nation, on n'existe plus non plus comme civilisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a plus besoin de diplomatie, on n'a plus besoin de services secrets, puisque de toute façon, on prend nos avis à Bruxelles et que Ursula von der Leyen, dont je rappelle, c'est visible sur le site, sur sa notice Wikipédia, qu'elle a bricolé son CV quand même. Elle a menti sur son CV, cette dame. Il n'y a aucun problème, elle peut mentir en disant qu'elle a fait des études à Stanford, ce n'est pas le cas, mais personne ne la reprend. Elle peut toujours continuer. Hein. Et on se dit, mais qui l'a élue, cette femme ? Elle n'a pas été élue, elle a été nommée par des gens qui ont été élus dans les conditions qu'on sait, puisque finalement, on sait bien comment fonctionnent les élections aujourd'hui en France. On a le choix entre le bien et le mal. On a le choix entre le général de Gaulle et Adolf Hitler, à chaque fois. Alors, évidemment, les gens finissent toujours par choisir le général de Gaulle, parce qu'ils se disent, quand même pas mettre quelqu'un qui est à l'origine de la Shoah, je parle de Marine Le Pen, à la tête de l'État. Donc, si effectivement les élections sont ainsi faites, on comprend bien que ces gens, quand ils se retrouvent à voter pour quelqu'un et à nommer quelqu'un, et ce quelqu'un, il va leur ressembler. Donc il y a un moment donné où on se dit effectivement qu'il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus de souverainisme, il n'y a plus de ligne claire en matière de diplomatie française. Les services secrets n'ont plus les moyens, il faut de l'argent. Il n'y a pas que des algorithmes qui suivent ce qui se dit sur Internet ou qui écoutent les conversations téléphoniques. Le renseignement, ça suppose des déjeuners, des boulots, des trucs, des gens qui ont des postes ici ou ailleurs, je ne sais pas quoi. Enfin bon, moi j'ai connu quelqu'un qui était inspectrice de l'éducation nationale jusqu'à ce qu'on sache qu'elle travaillait, cette personne, enfin, elle allait dans les lycées pour inspecter les profs. En fait, son boulot, c'était de voir comment ça se passait avec l'islam. Et donc, bah oui, il faut des gens comme ça qui fassent ce travail. Il faut les payer, bien les payer. Il faut des gens compétents. Et il faut pas non plus mettre des gens qui défendent l'islam pour faire ce genre de travail-là. Enfin, il y a une ligne claire à avoir. Et la France n'a plus cette ligne claire, c'est évident. Alors, je ne sais pas par quelle circonlocution j'ai retombé sur le point sur lequel je voulais vous poser une question, mais si, via la question des valeurs, justement, il y a un moment, à la fin du livre, vous évoquez la question du peuple que vous évoquiez là, et la question des valeurs. Alors, vous évoquez la question de la décence ordinaire, mais on ne va pas s'y attarder parce que c'est tout un volume, mais vous avez plusieurs très belles pages autour de Virgile et des Géorgiques, mais vous évoquez aussi l'idée que finalement, c'est dès, tel que vous le dites, dès la révolution industrielle, qu'il y a toute une partie
de la civilisation qui bascule déjà et dont les valeurs basculent déjà. Donc finalement, au-delà du portrait de l'Europe et de la France contemporaine que vous nous faites, le sentiment que vous avez, c'est que la chose est quand même entamée très tôt. C'est-à-dire qu'en fait, l'espèce de bascule de valeurs, elle commence très tôt. Et ce que vous soulignez par ailleurs en évoquant Virgile, c'est que vous dites, finalement, il faut un savoir de sagesse et pas un savoir d'ingénieur. Et c'est ça, finalement, une forme d'horizon de la sagesse que vous déclarez, que vous visez, et qui, malgré tout, effectivement, a du mal à s'insérer dans le monde contemporain tel qu'il se présente. Oui, parce que moi, j'ai des expériences très, très privées sur ce terrain-là. Mon père, je l'ai beaucoup dit, était ouvrier agricole et il a labouré avec des chevaux. Et un jour, après la guerre, on lui a dit, il y a un tracteur à aller chercher, voilà, c'est un Marshall. Et moi, j'ai longtemps cru que la marque du tracteur, c'était un Marshall. En fait, c'était un McCormick. Mais on disait c'est un Marshall parce que c'était le plan Marshall. Et donc, les Américains ont dit, allez hop, vous avez des tracteurs. Ils arrivent en morceaux dans une caisse en bois. Et mon père me disait, je suis parti avec un Charty. Il est parti à la gare. Il a ramené ce tracteur en morceaux. Et puis, ils ont construit le moteur. Et ils se sont mis à utiliser les tracteurs dans les champs. Alors, évidemment, le tracteur, il appartient aux États-Unis. Et puis, l'essence appartient aux États-Unis. Il faut qu'on l'achète, etc. Donc, les Américains savent bien ce qu'ils font quand ils arrivent le 6 juin 44. Hein. On oublie souvent que l'opération du débarquement s'appelle Overlord. Et les gens ne savent pas qu'Overlord veut dire vassalisation. C'est quand même très précisément dit. Les Américains arrivent le 6 juin 44 en disant « on va vassaliser ». Qui ? Ben on va vassaliser l'Europe. Et on va vassaliser la France, on va commencer par ça. Et on a une monnaie d'occupation, qui est la monnaie qu'on appelait l'Amgot, sur la monnaie des... Ça s'appelait je vais pas le dire en anglais, je suis trop nul en anglais, mais la monnaie des territoires occupés. Occupés, le O de Amgot, c'est occupied. Et il y avait des gens qui, à Charlottesville, aux États-Unis, étaient formés pour piloter la France avec des préfets, des sous-préfets qui auraient été vichistes, parce qu'au moins ceux-là, ils étaient anticommunistes. Et donc l'Amérique s'installait, tête de pont, les plages du débarquement, on s'installe en France, et puis là, on commence le boulot, c'est-à-dire on s'installe ici, puis on s'en va à Berlin, Berchtesgaden, puis on continue en Union soviétique, et on américanise l'Europe. Et il y a un certain général de Gaulle qui dit « Ah non, 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 votre Amgot, là, non, sûrement pas, moi j'ai des préfets, j'ai des sous-préfets, ils sont issus de la résistance, et certains sont même communistes, alors tardifs, hein, des résistants tardifs, après le pacte germano-soviétique, mais quand même ». Et il dit, les Américains, non, vous partez, quoi. Nous, on va rester souverains, le discours de Bayeux, etc. Et la souveraineté française disparaît avec Giscard d'Estaing. C'est clair, le général de Gaulle est souverainiste. Pompidou, il n'a pas le temps d'être souverainiste ou pas souverainiste parce qu'il meurt très tôt. Mais on sent bien que, de toute façon, il aurait été un Giscard en puissance. Mmh. C'était pas un gaulliste, c'était un pompidolien, c'était un chiracien. Enfin, c'est toute cette bande-là, c'est-à-dire sûrement pas des gaullistes. Mais tous les autres ont détruit la France et ont dit aux Américains, venez, venez. Quand Giscard d'Estaing est élu président de la République, il commence par faire un discours en anglais. On peut pas faire acte d'allégeance supérieur, quoi. Et donc, cette civilisation virgilienne, elle a duré, je dirais, de l'Antiquité romaine jusqu'à mon père, enfin, à cette période-là. C'est-à-dire, les paysans étaient des gens qui vivaient avec la nature et qui avaient un sens païen de la nature. À quoi on ajoutait l'école républicaine ? C'est-à-dire que le bon sens populaire était fait de deux choses. Il était fait de effectivement cette sagesse naturelle, parce que on est dans la nature, on connaît les cycles de la nature, le jour, la nuit, printemps, été, automne, hiver, les saisons, etc. Puis 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis l'ancien meurt, et puis les jeunes reprennent la place. Et il y avait une espèce de sens de la nature, et on était heureux, enfin, on avait trouvé sa place, d'un point de vue métaphysique, dans la nature. Et puis d'un seul coup, on dit « Ah mais pas du tout, il y a l'électricité, donc maintenant la lumière c'est quand vous voulez, c'est lumière en plein jour, enfin la nuit c'est de la lumière en plein jour si vous voulez, et puis maintenant vous avez le moteur, donc vous n'entendez plus que le bruit de votre moteur, vous avez les gaz d'échappement et vous n'avez plus la nature, le bruit de la nature, et puis on dit maintenant il va falloir mettre des engrais, il va falloir produire, et il y a des gens qui disent « Ah bah ouais, moi je fais ça », et on voit le type qui passe avec son cheval, qui lui refuse le tracteur, qui met pas d'engrais, puis l'autre lui il passe avec son tracteur, et puis on voit les blés qui sont beaucoup plus haut, puis évidemment, on a mis des produits chimiques, on a salopé complètement la terre. Puis l'autre, il dit, bah oui, on va passer à ça. Ou éventuellement, on dit, moi, je passe pas à ça. Mais il y a le fils qui dit à son père, t'es un vieux con, faut vendre les chevaux, faut acheter un tracteur, puis faut mettre de l'engrais, puis etc. Puis on américanise la paysannerie et Virgile disparaît. C'est terminé. On en est au point aujourd'hui où on a tué les abeilles.
Et il y a un truc sidérant que j'ai appris il y a quelques temps, mais moi qui me sidère totalement. D'abord, j'expliquais à des gens qu'il fallait dans un jardin des mâles et des femelles. Enfin, que j'ai des figuiers, mais j'ai pas de figues. Ben, je dis oui, mais il faut un mâle, une femelle, mais pourquoi faire? Une femelle quoi? Ben, je dis des arbres. Et ben, les arbres, ben, je dis oui, il faut qu'il y a des pollinisations aussi. La pollinisation, c'est quoi? C'est des abeilles qui, etc. Ah, c'était ah oui, ah bon. Et donc, il y a plus d'abeilles pour polliniser, donc évidemment, il y a plus de fruits. Eh bien, ils ont inventé aux États-Unis des petits robots pollinisateurs, des drones. Bzzz, et voilà. Et le drone, il reconnaît la fleur, donc il voit le truc, il rentre dans la fleur, il part, il va dans une autre fleur, il pollinise, etc. C'est-à-dire, on a tué les abeilles et on pollinise aujourd'hui avec des micro-robots pour ce qui reste de fleurs, etc. Donc, on a américanisé l'agriculture, on a américanisé notre style de vie, on a détruit Virgile. Plus personne n'est capable de comprendre les géorgiques. Tout ce qu'il écrit sur les abeilles, tout ce qu'il écrit sur les assolements, tout ce qu'il écrit. Enfin, il faut savoir un peu ce qu'est la différence entre une lune montante et une lune croissante, une lune descendante et une lune décroissante. Enfin, si on ne sait pas trop ça, c'est difficile de lire ça aujourd'hui, même en français. Hein. Et donc, je dis, oui, effectivement, que nous avons changé d'époque et que tout aujourd'hui est totalement industrialisé. C'est-à-dire que quand on aime une bonne viande et qu'elle est faite avec des animaux qui ont connu la nature, qui ont couru, qui ont des textures de muscles, etc., et on voit bien qu'on a des bouchers, des charcutiers d'excellence en France qui savent ce que c'est qu'une viande, comment ça se coupe, ça se taille, etc., quand on les voit travailler, etc. Mais les Américains, ils prennent une tronçonneuse et ils coupent le bœuf et boum, comme ça, ils font des tranches partout, quoi. Ce qui est à bouillir, à rôtir, à cuire, à étouffer, à mijoter, c'est pas du tout le problème. Eh bien là, on est en train de fabriquer de la viande artificielle. C'est-à-dire qu'on clone des cellules souches et on fabrique de la viande qui est une espèce de tumeur cancéreuse. Ce qu'on fait manger aux gens, c'est de la tumeur cancéreuse. C'est-à-dire on a une cellule et puis ça devient une espèce de mousse de viande. Alors évidemment, il n'y a pas de texture. C'est une espèce de sous-biftec haché. Un biftec haché dans lequel on aurait mis un verre d'eau, quoi. Puis on aurait étouillé et puis voilà ce qu'on nous donne à manger. C'est ce que veulent faire des gens comme Niel, qui est le patron de presse qu'on sait. Tous ces gens qui ont intérêt à ce que l'industrie fasse la loi et non plus l'agriculture, et qui, comme par hasard, disent que le véganisme, c'est bien. Qu'être végétarien, c'est formidable, normal. On mange plus de viande, alors c'est formidable, parce qu'on va pouvoir manger de la viande qui n'est pas de la viande. Et donc, il y a des trucs formidables, c'est-à-dire des steaks de soja, oxymore, du lait de soja, du beurre de soja. Et à un moment donné, vous dites, c'est pas du beurre, appelez ça ce que vous voulez, mais c'est pas du beurre, c'est pas un steak, c'est pas du lait non plus. Du lait, ça suppose un animal qui donne du lait. Mais là, on garde le truc pour que les gens puissent croire qu'ils mangent encore du bistec, et ils boivent encore du lait, etc. Alors que tout ça est fait avec du soja, d'ailleurs du soja transgénique, qui a jamais vu la terre, qui a été fabriqué lui aussi en laboratoire. Et on se dit, depuis le 6 juin 44, voilà ce que nous avons réalisé, c'est-à-dire une industrialisation de l'agriculture, deux paysans ou un ou deux paysans qui se pendent tous les jours, on n'en parle jamais. Moi, je fais partie de ceux qui ont souvenir de cette émission de Carton, Fontaine et Kaufmann qui avaient été au Liban, qui étaient des otages au Liban, et tous les soirs à la télévision, on disait 340e jour, 341e, 342e, etc., ce qui était très bien. Mais j'aimerais, moi, que tous les soirs, au journal de 20h, on ait les portraits des deux paysans qui se sont suicidés dans la journée, leur nom, leur visage, et que le lendemain, ça recommence, pour qu'on comprenne un peu ce qu'on est en train de faire. Pourquoi il y a tant de paysans qui se pendent, parce qu'ils sont endettés, parce qu'ils peuvent plus, parce qu'ils travaillent 12 heures par jour, ils travaillent le dimanche, ils prennent pas de vacances, ils se sont endettés, et qu'il faut acheter des produits, du matériel, et qu'ils arrivent plus, et que l'ancien dit, il est jeune, il sait pas gérer le truc, et qu'aux yeux des anciens, il passe pour un type qui sait pas gérer, etc., etc. Je dis, mais c'est ça, la vassalisation. C'est ça, l'américanisation. On ne peut plus lire Virgile, c'est pas forcément très grave, encore que pour moi ça le soit quand même, mais surtout, la disparition de Virgile nous a amené à un monde de sauvagerie, de brutalité, où l'argent fait la loi, et où la destruction de la nature fait la loi. Et c'est bien dommage, pour en revenir à Rousseau, Sandrine, que l'écologie soit si peu soucieuse de ça. Parce que c'est l'écologie qui, travaillant pour le véganisme et pour le végétarisme, travaille pour l'industrie alimentaire et pour la fameuse viande cellulaire. Ce sont ces mêmes gens qui, avec leurs voitures hybrides, etc., justifient qu'on aille chercher des métaux rares qui polluent quand il faut les extraire et qui détruisent les sous-sols des pays africains, ce qui appauvrit les pays africains, qui fait que les Africains, ils traversent la Méditerranée pour venir en Europe parce qu'ils pensent que c'est l'Eldorado. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on marche sur la tête parce que les écologistes polluent avec leurs semelles de béton pour les éoliennes, avec des pales qui sont impossibles à recycler, qu'on achète où ? En Chine, avec des métaux rares qui, eux aussi, ravagent tous les pays africains, etc. Il y a un moment donné où on se dit, mais
Vous ne comprenez pas que nous sommes en train de réifier, de faire mon Malraux qui disait que le 20e siècle serait spirituel, ne serait pas, mais je pense que le 21e siècle sera le siècle de la réification ou ne sera pas. Et la réification en philosophie, c'est la transformation en objet. Et tout ce qui se transforme en objet se loue, se vend, se prête, etc. Et c'est formidable pour les États-Unis. Eux, ils veulent acheter, ils veulent louer, etc. Les utérus, on peut dire, on est obligé de dire des femmes maintenant, c'est parce qu'il faut préciser, il y a des utérus d'hommes maintenant, mais ça, ça se loue. Les enfants, ça se vend. Les sexualités, ça se tarife. Tout s'achète, tout se vend, tout, etc. Et ça, c'est la réification. Et c'est ce à quoi travaille l'Europe de Maastricht. C'est ça. On dit, mais vous êtes rentable, vous n'êtes pas rentable. Vous n'êtes pas rentable, dehors. L'école n'est pas rentable, on la ferme. L'hôpital n'est pas rentable, terminé. Aujourd'hui, il y a des services de, il y a des services d'urgence qu'on ferme parce qu'on estime que c'est plus possible. Ou alors, on met des gens dont ça n'est pas le métier de dire, bah oui, vous êtes aux urgences, ça mérite l'urgence ou ça mérite pas l'urgence. On a fait des, on a décidé qu'il fallait un numerus clausus, donc pas trop de médecins, parce que les socialistes ont imaginé que s'il y avait pas trop de médecins, il y aurait moins de malades. C'est formidable, ça, quand même. Formidable. On supprime les médecins, on supprime la maladie. On est chez Molière. C'est Diafoirus, quoi. Donc on a supprimé les médecins et puis on s'est dit, c'est quand même bizarre, la maladie, ça continue quand même. Et puis comme il y a plus de Français, il y a moins de médecins, à ce moment-là, on a plein de gens malades, et on se dit, ah, là, j'ai une très grosse rage de dents. On dit, ah, vous allez sur Doctolib, et on dit, rendez-vous dans 3 mois. Bah oui, j'ai très mal, là. Je pense que je vais pas attendre 3 mois. Bah, vous allez aux urgences, c'est normal. Puis aux urgences, vous avez des gens qui ont des petits problèmes, des bobos, des vrais problèmes, des gens qui sont en train de faire un AVC, un infarctus, ce genre de choses. Et on dit, réification. Vous êtes rentable, vous n'êtes pas rentable, l'hôpital n'est pas rentable, on ferme, le service n'est pas rentable, on ferme, etc. C'est ça. Maastricht, pour moi, c'est le marché qui fait la loi. Je ne suis pas contre le marché, mais je pense que quand le marché fait la loi à l'hôpital, dans les écoles, dans les casernes, dans la culture, c'est la pire des choses. Donc, effectivement, le combat souverainiste, c'est ça. C'est de dire il faut que, quand on paie des impôts, et c'est très bien qu'on en paie, il y ait des services publics. Et les services publics, ça suppose qu'on ait des postiers, des postières, et pas des gens qui font un boulot extravagant. Enfin, tout le monde expérimente ça. Moi, je travaille chez moi, je sors rarement le matin, et éventuellement, si je sors, c'est plutôt l'après-midi, et je ne sais combien d'avis de passage en disant à 11h, vous n'étiez pas chez vous. Si, je suis chez moi. Donc, à un moment donné, quand je reçois le truc et je vois ça à 14h, je dis non, 11h, j'étais ici chez moi, quoi. Et je vais à la poste en disant j'ai reçu ça. Ah oui, mais monsieur, mais il faut revenir demain parce que là, c'est aujourd'hui. Bon, on revient le lendemain, puis on dit ah oui, mais il est repassé chez vous ce matin. Et je dis ah oui, très exactement quand? Ben là, tout de suite, alors évidemment. Le type, il est passé me redonner mon truc le deuxième jour parce que je suis allé le chercher. Et pendant que j'étais allé le chercher, le type, il l'a déposé. Et comme il m'a pas vu, il l'a pas redit. Tout le monde a vécu ça. Tout le monde a vécu ça. Je vais voir Denis Mola, mon ami, il y a un mois. Je viens ici et je prends un train. Et d'un seul coup, le train a 1 heure de retard. Bon, pour rentrer, je dis Bordeaux-Paris, Paris-Paris et Paris-Caen. Et là, je dis, bon, bah, 1 heure de retard, j'ai 1 heure pour me déplacer dans Paris, je vais pas avoir ma correspondance. Donc, je vais changer mon billet, je suis dans une file d'attente, et là, je vais à bout. Puis, ah non, monsieur, c'est pas ce guichet. Bon, donc, voilà, je vais à un autre guichet, on me dit, ah non, c'est pas au guichet, c'est ici aux bornes. Bon, je vais aux bornes, et là, les bornes me disent, vous pouvez changer votre billet pour Bordeaux-Paris, mais vous ne pourrez pas changer votre billet pour Caen-Paris. Donc on se dit, mais quand je vais arriver à la gare, il se sera passé 2 heures de voyage, 1 heure de déplacement, 3 heures, il y aura plus de place dans le train que je voudrais prendre. Alors on me dit, ah ben oui, mais ça, c'est, vous allez être obligé de... Etc. On me dit, mais vous pouvez aussi payer 15 euros, il va falloir payer 15 euros de plus pour changer le train. Puis je dis, mais c'est vous qui êtes en retard, c'est pas moi, c'est, vous êtes en train de me forcer. Hein. Bon, j'arrive à Caen, évidemment, obligé de changer tout, j'ai mes horaires, etc., etc. Et là, je dis au type, voiture 12, je vois pas... Il y a pas de voiture 12, me dit le type. Je vous agresse pas, excusez-moi, mais... Et le type, il m'explique toujours dans ce ton-là que finalement, il y a 2 rames dans un train et qu'il va falloir qu'on occupe sa voiture, puis qu'après, si on trouve une place, c'est bien, etc. Puis avec sa voix sirupeuse, après, il nous dit que si on peut laisser les femmes enceintes et les personnes âgées en priorité, que le vivre ensemble sera respecté. Le train part en retard, on arrive en retard. Bon, voilà. C'est-à-dire que le service public, c'est ça. Donc quand on descend du train en retard, qu'on a payé 15 euros de plus, qu'on s'en va à la poste chercher son papier, qui nous a dit que le colis était parti, qu'il fallait... on se dit, mais il y a un moment donné où ça marche plus, quoi. Ben évidemment, quand le service public ne fonctionne pas, les postiers ne distribuent plus de courrier, et puis les trains ne sont pas censés arriver à l'heure. Et ça, ce sont des problèmes de souverainisme. Je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'en France, on n'est pas capable d'avoir des trains qui arrivent à l'heure et des courriers qui soient distribués. C'est du bon sens. Michel Onfray, merci beaucoup.